Good morning, allez, dans l'étude aujourd'hui, le lunch matin, il y en a ben Khana Peggy Batester, Nissim Ben Aouda et Solvanish, et aussi le Fouat Ruth Batkloudin Traina et Efrat Mayan Batlabdor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous étudions Maserhet et Douyot Perigdalet Mishnah Vav. Chavit Shel Zetim Megul Galim, Bet Shamay Omrim, Eno Tsarich Lenakev, ou Bet Yelal Omrim, Tsarich Lenakev, ou Modim, Sheim Nekeva, ou Stamu Ashmarim, Shehi Teora. אסח בשמן טהור ונטמע, ירד בטבל, בית שמאי אומרים, אף על פי שהוא מנטף טהור, ובית הלל אומרים, כדי שיחת עבר קטן. אם היה שמן טמא מתחילתו, בית שמאי אומרים, כדי שיחת עבר קטן, ובית הלל אומרים, משקה תופח. רבי יהודה אומר, משום בית הלל, תופח ומטפיח. משנה רלטיבמנט קומפלקס, ובא בעזרת השם, לפרזנטר, נוסע לפרס רפידמנט. Il y a deux sujets essentiels dans la Mishnah. Tout d'abord, le sujet de Marchirin. On continue tout d'abord, dans notre chapitre, à expliquer à présenter toutes les machlokot entre Bet Shammai et Bet Hillel, pour lesquels Bet Shammai est plus permissif que Bet Hillel. Avec à présent donc deux sujets de Touma et de Tahara. Premier sujet de Touma et Tahara, on va parler de Marchirin. De manière générale, tout le monde sait bien, si je suis impur et qu'il y a une pomme pure pour le moment, et que je la touche, je la rends impure. Il faut toutefois savoir qu'il y a une condition requise pour que cette pomme puisse véhiculer l'impureté, la recevoir et la retransmettre ensuite. Il faut nécessairement qu'elle ait que je... Alors, on va le présenter en deux niveaux. Essentiellement, il faut tout d'abord que je l'ai lavé. C'est explicite dans la Torah, « Kiutan maim aleem » sur le on parle d'Ezraïm. Tout aliment, pour qu'il puisse véhiculer la Touma, il doit, depuis le moment où il a été cueilli, il faut qu'il ait été lavé, qu'il soit une fois entré en contact avec l'eau, même si après on l'a séché complètement, alors il est apte à devenir impur. Tandis que s'il n'a jamais été en contact avec de l'eau depuis le moment où il a été cueilli, alors il restera pur, il ne peut pas véhiculer d'impureté. C'est une halakha. Question maintenant, qu'est-ce qui se passe si la pluie tombe? Une fois que j'ai cueilli mes pommes par exemple, il y a la pluie qui tombe dessus. Est-ce que ces fruits sont aptes à véhiculer l'impureté? Alors ça, c'est explicite dans la Gemara, elle le déduit ça de Psukim. Le principe, il est comme ça. Si au moment, ça peut devenir impur, mais pas forcément. Il faut qu'au moment où le fruit est mouillé, si je suis heureux, satisfait que le fruit soit en ce moment mouillé, par exemple, je viens, je dis « Oh super, mes fruits, ils ont déjà été lavés. » Comme ça, les petites saletés qu'il va y avoir dessus, ils ont été lavés, par exemple. Je vais pouvoir les laver plus facilement. Donc, je suis intéressé à ce qu'ils aient été mouillés, même si ce n'est pas moi qui ai mis l'eau dessus. Mais, alors, malgré tout, ils sont aptes à véhiculer la Touma. Tandis que, de cas de figure, si je ne suis pas content, je ne suis pas satisfait que l'eau soit entrée en contact pour le moment, je ne voulais pas qu'ils prennent l'eau. Par exemple, ils risquent de pourrir plus rapidement. Donc, je ne voulais pas qu'ils prennent l'eau. Dans ce cas-là, le fruit ne sera pas impur. Mieux que ça encore, si je suis content que la pluie les ait lavés, mais que lorsque je reviens et que je découvre que les fruits ont été lavés, je constate qu'à présent ils sont devenus secs. Alors j'ai pas eu de volonté, de satisfaction au moment où l'eau était dessus, l'eau ne recevra pas d'impureté. Le principe est clair. Donc retenez pour le moment, on va présenter juste trois cas de figure, les deux extrêmes et celui du milieu, celui qui nous intéresse. Le cas où le fruit n'a jamais été en contact avec l'eau, le cas où donc lui il ne recevra pas, il ne véhiculera jamais l'impureté. Le cas où il a été, je l'ai consciemment, volontairement lavé, même s'il a été séché, il ne recevra plus, il recevra, maintenant il véhiculera l'impureté. Et si le fruit il a été lavé par une cause involontaire, mais que j'en suis satisfait au moment où il est mouillé, alors il est apte à recevoir l'impureté, à véhiculer l'impureté, d'accord? Même si c'est pas moi qui ai mis l'eau, parce que le simple fait de vouloir cette eau au moment où elle s'y trouve fait que c'est considéré comme si je l'avais lavé moi-même. Maintenant, on met ça de côté, et puis on introduit une notion par rapport à l'extraction de l'huile. Une technique générale, on avait déjà appris une fois, on broie l'huile, après on récupère le mou d'olive. C'est la technique la plus classique, c'est qu'on la broie, puis après on la moue. Pourquoi la broyer? Parce que l'olive, initialement, elle est très dure, et on ne peut pas facilement extraire son huile, jusqu'à qu'on la broie, alors on commence à faire que le liquide à l'intérieur de la pulpe va se séparer un petit peu, puis après quand on va le presser, on va réussir à l'extraire. Il y a une autre technique pour pouvoir extraire l'huile, c'est tout simplement de saler. On met du sel sur les olives, on les enferme dans un tonneau,
Et puis, alors l'olive, quand on va la saler, elle va se mettre à transpirer, à faire sortir une certaine eau. C'est pas de l'huile pour le moment, c'est ce qu'on appelle du mohal. J'ai oublié le nom, je l'ai regardé, je l'ai trouvé sur Wikipédia, mais je l'ai oublié. Donc c'est les marines, je crois, il me semble. Les margines, voilà, c'est le mot. Les margines, on va récupérer, ça se dit que au pluriel, on dit pas la margine, on dit les margines. En tout cas, il s'agit ici de tout le liquide qui n'est pas l'huile qui se trouve dans l'olive. Donc lorsqu'on va lui mettre du sel, il va extraire cette eau. Si on enferme toute cette eau avec les olives dans un tonneau, alors il va s'avérer que maintenant, l'olive va se mettre à macérer longtemps dans cette eau, elle va se ramollir plus rapidement et on pourra ensuite, la moudre, elle va être très molle. Tout ça, c'était la phase introduction. À présent, maintenant, on revient sur notre Mishnah. Donc, on va commencer la Mishnah avec, à présent, on va parler de Chavit Shel Zetim Megulgalim, un tonneau d'olives qui sont Megulgalim. Des olives Megulgalim, c'est des olives que l'on va manger en macération uniquement dans du sel. Soit manger des olives, ne pas en faire de l'huile. Lorsqu'on veut manger des olives, on veut les ramollir un petit peu, mais pas complètement. Ouais, si je présente des olives à table qui sont complètement molles, c'est désagréable, on se demande par où elles sont passées. On veut qu'elles aient une certaine, qu'elles soient relativement fermes, mais ramollies. Ce qui se passe, c'est que pour les faire, on les enferme aussi dans le tonneau, mais cette fois-ci, on ne veut pas que l'eau de transpiration, lorsque l'olive va se mettre à transpirer, on ne veut pas que cette eau reste, que l'olive va macérer longtemps dans cette eau, parce que sinon, l'olive, elle va ramollir. Donc en fait, on parle dans notre Mishnah, ça c'est les étimes Megulgalim, qui sont uniquement roulées. Apparemment, c'est parce que les olives qu'on veut manger, on a envie qu'elles soient encore aptes à rouler, qu'elles soient encore assez fermes, rondes, solides, un petit peu, mais pas complètement, un petit peu ramollies. C'est pour ça que ça s'appelle des olives Megulgalim, donc on va parler d'olives qu'on veut manger telles quelles. Le sujet de notre Mishnah est de savoir, si j'ai salé mes olives, et je les ai mises dans un tonneau pour qu'elles ramollissent, mais je ne veux pas qu'elles ramollissent beaucoup. Donc il va s'avérer qu'en fait, il va y avoir cette fameuse eau de transpiration qui va sortir, mais sans que je veuille que cette eau reste sur l'olive. Et la question va être de savoir, est-ce que cette eau va rendre mes olives aptes à véhiculer la touma? Soit je mets du sel pour faire ramollir l'olive, mais je ne suis pas intéressé à ce que l'eau qui va en sortir touche mon olive. Donc en théorie, je ne suis pas intéressé à ce que l'eau la touche, je ne l'ai pas mise moi-même et je ne veux pas que l'eau soit en contact. En théorie, l'olive devrait rester pure. Et c'est effectivement l'avis de Beit Shammai. Chavit shel zetim megulgalim Beit Shammai omrim eno tzarich lenakev. Tu n'as pas besoin de perforer ton tonneau, tandis que ou Beit Hillel omrim tzarich lenakev. Beit Hillel enseigne qu'il faut perforer le tonneau. Soit selon Beit Hillel, lorsque je vais mettre mes olives salées dans ce tonneau pour les manger, donc je ne veux pas que l'eau qui va en sortir, qui va transpirer, et qu'elle reste dans ce tonneau. Ben malgré tout, d'après Beit Hillel, si je laisse le tonneau tel quel, alors je vais malgré tout rendre mes olives aptes à véhiculer la touma. Je vais être marchir au tam, comme on dit. Pour quelle raison? Parce que peut-être que finalement je vais regretter, je vais vouloir en faire de l'huile, et finalement je vais me dire, bon, a posteriori, je suis quand même intéressé à ce qui est ce liquide qui soit là. De ce fait, pour que je prouve que je ne suis pas intéressé par cette eau, je dois nécessairement perforer le tonneau, de manière à ce que l'eau qui va être extraite va pouvoir s'évacuer et ne pas stagner. Alors là, lorsque j'aurai perforé mon tonneau, j'aurai effectivement prouvé que je ne suis pas intéressé par cette eau, donc mes olives ne seront pas aptes à véhiculer la touma. C'est clair? Maintenant, « Umodim she'im nikva ustam washmarim she'itora » Selon ce principe, Beit Hillel va nous dire, tu sais, si toutefois tu as fait un trou, c'était apte à ce que l'eau s'évacue, et puis finalement ce trou il s'est bouché avec des impuretés, il s'est bouché et l'eau, elle est montée à l'intérieur. Sache que maintenant, tes olives ne véhiculeront pas la touma. Pourquoi? Parce que là, moi, je reconnais que finalement, tu nous as bien prouvé que tu n'avais pas envie de garder cette eau. Concrètement, ça n'a pas été réalisé parce que ça s'est bouché, de ce fait, l'eau, elle est restée. Mais en tout cas, tu as fait un acte qui témoigne que tu n'as pas envie de garder cette eau, donc de faire macérer tes olives dans cette eau. De ce fait, tes olives ne véhiculent pas la touma. On a fini le premier sujet de la touma. De la Mishnah, de Touma. Et on va découvrir à présent le deuxième sujet. On va peut-être lire directement la première partie, et puis après on explique. Asach beshemen tahor venitma. Celui qui s'est oint d'huile, il avait de l'huile d'olive par exemple, il s'est étalé de l'huile d'olive sur lui, et puis après il a touché un sheretz. Il est devenu lui-même impur, de ce fait, même tout ce qu'il y avait, je suis devenu impur, même mes habits d'abord, ils peuvent devenir impurs, selon le cas de Touma, mais en tout cas, là, concrètement,
cette huile qui était sur moi, il s'avère qu'elle est devenue elle aussi Tmea. Soit, si quelqu'un, ça va lui prendre de vouloir récupérer, de prendre un couteau par exemple, et de ramasser de l'huile comme ça, et récupérer un peu d'huile sur sa lame, et bien il faut savoir que c'est devenu de l'huile impure. L'huile est devenue impure par mon intermédiaire. Elle faisait partie intégrante de moi, et de ce fait, maintenant, la question de notre Misham est de savoir, lorsque moi je vais partir me tromper au Mikvé, est-ce que cette huile va, elle aussi, devenir pure en se trempant avec moi? Et on va expliquer une règle très importante, mais d'abord, je préfère avancer la Mishnah et traduire un petit peu les mots. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai enseigne, Afalpi Shehu Menatef Taor, même s'il est dégoulinant, il est pur et l'huile aussi est pure en fait. Bet Hillel Omrim, Kedes Sichat Ever Katan, et Bet Hillel nous dit, à condition que tu n'aies pas sur le corps plus qu'une quantité nécessaire pour oindre un petit membre, soit le petit doigt de pied. Et on explique d'abord une donnée très importante. Il faut savoir que un aliment qui devient impur ne peut plus devenir pur. On ne peut pas purifier. Un homme, un ustensile, lorsqu'il est impur, on le trempe dans le mikvé, il devient pur. Un aliment, lorsqu'il est devenu impur, il ne peut plus redevenir pur. C'est vrai, avec une exception. Il y en aurait été un petit peu plus, mais en tout cas, c'est lié en fait. La grande exception, c'est l'eau. Si j'ai un verre d'eau qui est devenu impur, eh ben, je peux tremper ce verre d'eau au mikvé. Vous allez me dire, bah, c'est normal, il n'y a plus de verre d'eau. Non, on parle que je vais faire descendre le verre dans le mikvé, et dès que je vais faire entrer en contact l'eau du verre avec l'eau du mikvé, je vais rendre cette eau pure. Si ça vous intéresse, ça s'appelle une zriya. Ça s'appelle que j'ai replanté l'eau. Soit il y a une halakha en réalité que si je prends une pomme de terre qui est devenue impure et que je la mets dans la terre au point où elle va se remettre à germer, alors la zriya rend pure. Le fait d'être zoréa, de la semer, va faire que maintenant elle va redevenir en partie intégrante avec la terre. C'est plus un fruit en fait, c'est redevenu un végétal. Selon, il y a bien sûr de quoi extrapoler, c'est pas le sujet de notre Mishnah, même l'eau c'est pas exactement. Donc, retenez l'idée, en tout cas, lorsque je remets l'eau dans son état initial, je le remets en contact avec la terre, en le remettant dans de l'eau qui est dans la terre, en fait, j'ai réussi ainsi à purifier l'eau. C'est clair? Par contre, de l'huile, je ne peux plus la purifier. Elle est devenue impure, et ben, il faut la brûler, il n'y a plus rien à faire. L'ajouter, la brûler. On n'a plus rien à faire avec de l'huile qui est devenue impure. Le sujet maintenant de notre Mishnah va être de savoir, lorsque je me suis loin d'huile, cette huile, cette fois-ci, c'est plus de l'huile séparée de moi. Elle est devenue partie intégrante de moi. J'ai gardé une peau luisante avec de l'huile. Elle se fond avec moi, elle devient intrinsèquement considérée comme moi. De ce fait, lorsque je deviens impur, elle devient impure, mais lorsque je me purifie, eh bien je me purifie. Je la purifie en même temps. Elle redevient, elle aussi, pure. C'est discuté comment expliquer en réalité. Est-ce qu'on parle que l'huile, elle est devenue pure au point où elle ne va plus me rendre impure, ou est-ce qu'elle est concrètement redevenue pure? Et ici, ça va un petit peu dans tous les sens. C'est une Mishnah assez compliquée et à préparer et à présenter. J'essaie malgré tout de vous donner un petit aperçu de rapide, quoi. J'ai tourné un premier cours qui faisait 23 minutes. Je me suis dit, j'essaie de le faire cette fois-ci en 13-14. J'espère que je vais m'en tenir. Bezrat Hashem. En tout cas, concrètement, donc on parle maintenant de savoir à cette huile. Je l'ai oint, je l'ai étalé sur moi, je suis devenu impur, je suis parti me tromper au mikvé. Bet Shammai me dit, bah, tu sais quoi? Même si tu es dégoulinant d'huile lorsque tu remontes du mikvé, ouais, on peut facilement partir, on passe un couteau et on récupère une lame entière d'huile, de quoi pouvoir en étaler sur un enfant entier. Et bien malgré tout, tu es pur. L'huile a récupéré son statut de pureté, parce que, en fait, c'est comme si que l'huile avait disparu, elle était devenue une partie intégrante de toi. Et puis toi, ben, tu transpires de l'huile. D'accord? Elle s'est purifiée en même temps que toi. En tout cas, tu ne redeviendras pas toi impur à cause de cette huile. Et Beth Hillel nous limite et nous dit, à condition que tu as une toute petite quantité d'huile qui correspond à Kedei, Sichat, Ever, Katan. Soit, si je suis luisant, mais qu'on ne réussit pas à récupérer l'huile, qu'on récupère un brin sur une lame, mais pas rien de très concret, alors là, Beth Hillel va dire, c'est vrai, tu es redevenu pur, et l'huile, elle s'est annulée avec toi, elle est devenue partie intégrante de toi. Mais si il y a de quoi récupérer une quantité conséquente d'huile, alors non, je ne vais pas te permettre, je ne vais pas rendre pure cette huile, je ne vais pas non plus te purifier, je veux dire que tu es redevenu impur parce que tu as touché l'huile, étant de peur que les gens vont dire que l'on peut tremper de l'huile et la rendre pure. Ouais, le principe est clair. Si, quand je suis devenu impur, l'huile qui était sur moi, elle était devenue impure, après je me suis trempé l'huile, elle est devenue pure, celui qui va avoir la scène, il va dire, ah,
Alors on peut tremper de l'huile. Lorsque de l'huile devient impure, on la trempe dans le miguel, elle devient pure. Pour ne pas arriver à cette erreur, Bathiel elle a dit, à condition que tu aies une petite, toute petite quantité d'huile. Mais dès que tu vas avoir une quantité conséquente, alors je ne te permets plus, je ne vais plus considérer que cette huile est devenue pure. Telle est la vie de Bathiel. Maintenant on va monter un nouveau, un degré. Vim haya shemen tamé mitrilato. Maintenant on ne parle plus du cas où j'ai mis de l'huile pure sur moi, qui est devenue impure par mon intermédiaire. On parle qu'a priori, moi j'étais pur, j'ai pris de l'huile impure et je l'ai oint sur moi. Alors là, c'est plus grave. Bet Shammai, on va tout monter d'un niveau en fait. Bet Shammai qui nous disait, même si tu dégoulines d'huile, c'est permis cette fois-ci. Bet Shammai va me dire, Kedesicha Teder Katan. Si tu as étalé de l'huile, de quoi pouvoir récupérer pour oindre ensuite un petit membre, même un petit doigt, alors là, tu as atteint une quantité trop conséquente et les gens qui sont là vont dire « Mais quoi ? T'as récupéré de l'huile. Cette huile-là, c'était l'huile impure que tu t'étais moins et elle est devenue pure. » Ça signifie qu'on peut purifier de l'huile. Pour ne pas arriver à cette erreur, Bet Shammai a dit cette fois-ci, là je suis d'accord avec toi, Bet Hillel, que « Kedes sicha tever katan » un tout petit membre, si tu as de quoi récupérer un peu de l'huile pour oindre un petit membre, ça y est, c'est fini, on ne pourra plus purifier cette huile de peur que les gens vont se tromper. Mais, comme ce qu'on a dit, c'est que lorsque l'huile était initialement impure. Par contre, si l'huile elle était initialement pure, et que tu l'as oint et qu'après tu es devenu impure, là, Bet Shammai est beaucoup plus permissif. Donc, au même titre maintenant que Bet Shammai a monté la barre lorsque l'huile était déjà impure, lorsque je l'ai étalée, alors Bet Hillel aussi monte la barre et me dit « Ou Bet Hillel omrim mashket ofer » Bet Hillel me dit, cette fois-ci, dans le cas où l'huile elle était déjà impure, moi je ne vais pas te permettre cette quantité de quelques gouttes de quoi oindre un petit doigt. Même moins que ça, je vais considérer que l'huile, elle est encore impure sur toi. Il suffit qu'il y ait une quantité que ce qu'on appelle tofear. Tofear, ça signifie, je ne sais pas comment ça se traduit complètement, ça me donne tefar, un point, mais je ne vois pas le rapport. Absorber peut-être. Ouais, peut-être. En tout cas, on parle concrètement, qu'est-ce qu'on appelle tofear dans la Gemara ? C'est que si je mets mon doigt dessus et que je pose mon doigt ensuite sur un linge, j'ai fait une trace humide sur mon doigt. S'il y a une quantité en un endroit d'huile assez conséquent pour que... c'est une notion, entre parenthèses, qu'on retrouve dans plein de halakhot. Après, j'en parlerai peut-être s'il nous reste un petit peu de temps. En tout cas, donc, s'il y a une quantité d'huile en un endroit, ou si je pose le doigt dessus, je le pose ensuite quelque part, j'ai réussi à laisser une trace, alors là, on considère qu'il y a une goutte d'huile conséquente de ce fait, puisque l'huile, elle était impure. On ne va pas considérer que l'huile elle est devenue pure. Mais par contre, si il reste une toute fine pellicule d'huile sur toi, au point où on ne réussit pas à la ramasser et à rendre mouillé un linge ensuite, alors dans ce cas-là, tu es devenu pur et l'huile aussi elle est devenue pure en fait. D'accord ? Ça c'est la vie de Bet Hillel. Et Rabbi Yehuda Omer Mishum Bet Hillel, et Rabbi Yehuda nous dit au nom de Bet Hillel que la quantité requise à partir de laquelle on va dire que tu es impur, ce n'est pas exactement dès que tu as de quoi mouiller quelque chose d'autre. C'est tofer ou matpiar. De quoi ramasser la goutte d'huile, la mettre sur un autre doigt, et que l'autre doigt, je vais le poser sur un linge et qu'il va nous rester une trace humide. S'il y a cette quantité, alors on considère que l'huile impure, elle est encore présente. De ce fait, elle n'a pas pu se purifier avec toi. Je faisais une petite parenthèse, on retrouve cette notion dans l'Hilchot Netilat Yadayim. Ouais, c'est assez vaste. En tout cas, celui qui a fait une Netilat Yadayim, pendant qu'il avait encore les mains mouillées, il a touché les mains de quelqu'un d'autre, par exemple. Alors, s'il a touché les mains de quelqu'un d'autre pendant qu'il avait les mains mouillées, quelqu'un d'autre qui n'avait pas fait la netilat, il faut savoir qu'il lui a rendu, pas soul, il lui a rendu impur les mains. Il faut se sécher les mains complètement et recommencer la netilat yadayim. D'accord ? Si, toutefois, il s'est séché les mains, mais la main est encore un petit peu humide. Alors là, ça va apparaître dans la lacha, cette notion de tofeach almenat latfiach. Tofeach ou matpiach. S'il reste une quantité humide suffisante pour que, s'il prenait un doigt sec qui touchait, et puis après ce doigt sec il retouchait un linge, il avait de quoi rendre le nouveau linge mouillé, enfin voir la petite trace d'humidité, alors on considère que la main était encore mouillée. Mais s'il n'y avait plus cette quantité d'eau, alors on va considérer que la main n'était plus mouillée, même si elle était un petit peu humide, mais ce n'était pas de l'eau. Enfin voilà, on a fini la Mishnah Baruch HaShem, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.